Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 19-20 week-end. Dans l'actualité, ce soir, la crise à 19h15, ici et pas ailleurs, vous emmène ce soir à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes. L'une de nos équipes est allée à la rencontre d'Hervé Gourdet. L'auteur vient de publier une bande dessinée qui compte la légende des quatre fils Aemon chassés du royaume de Charlemagne, découverte dans quelques instants. Ce soir, ici et pas ailleurs, vous emmène à Bogny-sur-Meuse dans les Ardennes. Notre équipe vous fait découvrir ce soir la légende des quatre fils Aemon. Leur histoire vient d'être mise en image à travers une bande dessinée. On retrouve sur place Sandra Julien. Bienvenue dans les Ardennes, terre de légende. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour une première en France. La sortie du premier des quatre volumes, version bande dessinée, de la légende des quatre fils Aemon. Vous ne savez peut-être pas tout sur cette histoire ou ses protagonistes. C'est donc l'occasion ou jamais de vous y replonger. Ah, Maugis. Heureusement qu'il y a encore des écrits qui laissent quelques traces où son passage sera moins funeste que dans la réalité. Car Maugis, c'est un sage, c'est un mage, il connaît tout, il sait tout, il a tout vu. Mais de là et de les quatre fils Aemon. Il fut très certainement un homme que Charlemagne craignait. Oh, pas parce qu'il était le fils de Beuve, son ennemi, mais parce qu'il avait ce pouvoir que lui, Charles le Grand, ne pouvait posséder. Là où Maugis apparaît réellement comme enchanteur, c'est lorsque il va offrir Bayard pour sauver les quatre fils Aemon. Bayard, qui est un cheval sirène qui est né dans la Meuse et dont on va découler toute une chanson qui racontera des faits héroïques. Voilà, Maugis c'est un aventurier, c'est un homme reclus, mais il est très érudit, donc il connaît pas mal de langues. Maugis a beaucoup voyagé. Son existence est évoquée notamment dans les textes du 19e siècle appelés encore légendes dorées, comme la chanson de Roland, les légendes du roi Arthur et des quatre fils Aemon. Tout le principe du premier tome de Maugis, c'est son histoire. On est tout au début de sa vie, il a un frère, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un événement qui va faire qu'ils vont être séparés à la naissance. Maugis va se retrouver dans le camp du bien, Vivien, son frère, va se retrouver dans le camp du mal. Puis on va suivre son initiation magique avec Baudrys, avec son maître spirituel et magique. On va le suivre jusqu'à son adolescence et même jusqu'au début de son âge adulte. Et après, on va raccorder sur les tomes 2, 3, 4 sur le Maugis qu'on connaît, c'est-à-dire le Maugis vieux, cousin des quatre frères Aemon, qui va les aider à sortir des griffes de Charlemagne. Maugis est le personnage de roman par excellence et de lui, il existe peu de représentations. Sous la main d'Hervé Gourdet, l'enchanteur dévoile ses traits et avec lui, l'histoire reprend des couleurs. Le fond reste le même, c'est-à-dire que c'est vraiment tiré de l'histoire originale écrite au 15e. Par contre, la forme, elle change complètement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'historique, ça c'est très important de le dire. C'est pas historique, c'est vraiment fantastique. On peut appeler ça du médiéval fantastique. En plus, sur la période carolingienne où se passe la légende, il y a très très peu de reliques archéologiques qui ont été retrouvées sur l'époque carolingienne. Donc en fait, voilà, on était un peu limité aussi avec ça. Donc il a fallu se lâcher et puis il y a de la matière à rêver. La légende des quatre fils Aemon, c'est la trame principale, mais après, rien ne m'empêche de y introduire des choses. Même des fois, je caricature des copains ou des gens que je connais, que j'ai toujours ce petit truc, ce petit clin d'œil-là, j'intègre des choses de ma vie de tous les jours dedans, je m'amuse. S'il y a un défi, il est dans les dialogues. L'illustrateur s'est improvisé scénariste pour l'occasion. Le fond était là, c'était un texte qui date du 15e siècle, qui était en vieux français, qu'il a fallu que je traduise. C'était pas toujours simple. Et du coup, j'ai traduit comme j'ai pu cette base. Et puis après, je me suis lancé dans les dialogues. Les dialogues, c'est des petits textes courts, c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué à faire, quoi. Maugis, c'est donc le prologue d'une légende qui sortira en 3 autres tomes. Charlemagne, Renaud et enfin Bayard. Une performance quand on sait que la chanson de geste original comprend 18 000 vers. La sortie récente du premier tome a reçu un écho favorable. Pour l'avoir, ils sont venus des quatre coins du département, là où l'on connaît surtout l'épisode ardennais de la légende. Est-ce que la sortie de cette BD a provoqué un regain d'intérêt pour la légende ?
Alors, de la part des Ardennais, oui, on le voit bien tous les jours, mais bon, pour l'instant, le livre est un peu diffusé localement, on va dire, mais le but du jeu, c'est après de faire vivre le livre au-delà des frontières ardennaises. Donc oui, on va petit à petit l'élargir vers les autres régions. Alors moi, ça m'arrive souvent de partir sur d'autres festivals en France, et je vois sur les salons, là j'étais à Arras la semaine dernière, et on voit un intérêt, oui, des gens qui ne sont pas forcément ardennais s'y intéressent et l'achètent. Ouais. À l'origine, c'est une légende européenne, parce qu'on a retrouvé des traces partout de cette légende-là. On a retrouvé jusqu'en Islande une version islandaise de la légende des quatre fils. Bon, ça, on ne le sait pas trop. En Italie, en Pologne. Donc c'était une vraie légende qui rayonnait dans toute l'Europe. Donc elle est en train de revivre. Et en exclusivité mondiale, rien que pour nous, Bayard, signé et dessiné de la main de l'auteur. Merci Hervé. Merci Sandra. À très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.